Allez, je vais essayer d'en faire une facile pour ceux et celles qui ont du mal à gérer les budgets. On a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souffert, par exemple, de l'augmentation du prix de l'électricité. Alors, comment on fait pour pas souffrir l'augmentation du prix de l'électricité? Ben, pour mesurer la consommation électrique de chaque appareil. Alors, comment on mesure la consommation électrique de chaque appareil? Soit on sait combien l'appareil consomme en watts, hein, et combien de temps on va l'utiliser, soit on ne sait pas, et si on ne sait pas, on utilise des prises connectées, des prises de mesure. Alors moi, je préfère les prises connectées, parce qu'elles donnent ces mesures-là. Je répète une fois de plus, ça c'est pour faciliter ces petites prises connectées, c'est pour faciliter la lecture sur les prix. On donne une application qui va mesurer l'électricité sur votre téléphone et qui va permettre de programmer les prises aussi. Une fois qu'on a ça, on est capable de dire combien de watts consomme un appareil électrique, combien d'heures par jour il va fonctionner. Et si jamais on n'utilise qu'une période de l'année, par exemple le chauffage, on divise par 4. C'est une saison, il y a 4 saisons. Donc on va diviser par 4 en nombre de mois. On divise par 4, on divise par 12 pour obtenir la consommation par mois. On multiplie par 4. Par 3. En fait, c'est comme divisé par 4. D'accord? Ça va donner la consommation de chaque appareil. Par exemple, le PC, le frigo. La box. La box, c'est facile, c'est écrit dessus. C'est 24 heures sur 24, de toute manière. Le frigo, c'est facile, on met une prise connectée, on mesure. Alors, si ce n'est pas une prise connectée, c'est une prise de mesure. La prise connectée, elle a l'avantage de mesurer sur plusieurs mois. Donc on peut faire une moyenne statistique. Alors, le téléphone portable, c'est facile, c'est écrit dessus. En général, on charge 2 heures. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Faut penser à le débrancher, hein, sinon ça consomme encore. L'enceinte, moi j'ai un petit home cinéma là avec le vidéoprojecteur. Le vidéoprojecteur fait 10 watts, l'enceinte fait 20 watts. C'est bien, en soi. Alors, vous avez le micro-ondes qui va tourner, moi il fait 700 watts, mais disons 15 minutes par jour, le temps de réchauffer le café, ou une boisson chaude, le thé. 5 fois 3 minutes, maximum. Donc c'est en nombre d'heures, ça fait 0,25 heures, un quart d'heure. Le chauffe-eau, il tourne une demi-heure par jour à 1200 watts. La cuisine, une demi-heure par jour à 1200 watts. 15 minutes à midi, 15 minutes le soir de cuisine, pas plus. Il n'y a pas besoin de plus. La bouilloire, c'est pareil, elle va tourner en réalité un quart d'heure par jour. C'est pas long, hein. C'est 5 fois 3 minutes. Et que en hiver. Donc on va diviser par 2, disons, la moitié du temps en hiver et en automne. Le chauffage, j'ai un chauffage qui est mis au sol à 100 watts. Donc c'est 100 watts 24 heures sur 24 en hiver et en automne. En hiver seulement. Bah, comme au lieu de mettre 24 heures, comme j'ai 4 saisons et je n'utilise qu'une saison sur 4, je mets 6 heures d'utilisation. Hein. La lumière, j'ai mis 5 ampoules connectées que j'allume en permanence à 9 watts, 5 fois 45. C'est pour pouvoir tamiser éventuellement. Ça diminue à 3 watts par ampoule, 5 fois 3, 15 watts si je mets en tamisé en 1%. Hein. Et après, bah, c'est parce que je les mets pour éclairer bien la salle. Je suis dans une salle qui n'est pas forcément bien éclairée. Ou alors qui est justement trop exposée plein sud. Et quand le soleil tape, on crame. Bon. Tout ça va me donner la consommation en kilowattheure par jour, par mois. Je multiplie les watts par le nombre d'heures, j'obtiens des wattheures. Je divise par 1000, j'obtiens des kilowattheures par jour. Je rajoute l'étape. Hein. C'est comprendre le calcul qui va être important. Là, j'ai le nombre de watts.
dans cette colonne-là. Là, j'ai le nombre d'heures. Et donc, si je multiplie des watts par des heures, j'ai des watts-heures. Donc, si je fais le calcul, je vais faire des watts multipliés par des heures. J'obtiens des watts-heures. Et si je divise par 1000, il faut 1000 watts-heures pour faire 1 kWh. Donc, je divise par 1000 pour savoir combien il y a de kilowatt-heures. Donc, c'est des kilowatt-heures par jour. Ok. Dans le mois, je vais supposer qu'il y a 30 jours dans le mois. Donc là, plutôt que de faire ça, je vais faire la somme. Donc je vois combien de kilowattheures par jour je consomme. On va obtenir 7 kVA. Pas tout à fait vrai, je suis à 6 kVA. Donc préalablement entre 6 et 9 kVA. Alors kilowattheure par jour, c'est la même chose que égale kVA. Donc c'est ce que vous payez dans votre abonnement. C'est le nombre de kVA. Prenez un abonnement à 6 kVA, 3 kVA, 9 kVA, 12 kVA. Et donc, il faut savoir combien vous consommez par jour, hein, pour savoir combien vous avez tendance à prendre comme abonnement. Moi, j'ai un abonnement, je crois, à 6 ou 9 kVA. C'est la même à peu près. Faut que votre abonnement dépasse le nombre de kVA que vous consommez par jour. Alors, en kilowattheure par... Moi, alors kVA, kilowattheure, c'est la même chose que kVA. C'est la même. VA, c'est WE. C'est water. Donc ensuite, par mois, vous multipliez par le nombre de mois, de jours dans le mois. On suppose des jours de 30 mois. Alors, mettons des jours de 31 mois. Et vous avez le total par mois. Arriver à 200 kWh par mois. Ok, c'est bon. Et donc sur l'année, vous multipliez par 365 jours, parce que vous avez le nombre par jour. Alors, vous multipliez par 365. Donc, vous prenez le score qu'il y a là, enfin, le nombre de kilowattheures, vous multipliez par 365 jours, pour savoir combien ça va faire. Là, vous avez vu le principe, c'est dans l'année, ça ne change pas. Ah non, ça ne change pas, parce que là, j'ai calculé en moyenne sur l'année. C'est-à-dire que là, bah, comme je dis, par exemple, le chauffage, ce n'est pas 100 watts 24 heures sur 24 pour sortir de la chaleur. C'est 100 watts pendant l'hiver. Et comme il n'y a que décembre, janvier, février où ça va tourner, hein, je vais prendre 24. 24 heures sur 24, et je divise par 12 mois, et je multiplie par le nombre de mois où j'utilise. Et j'utilise que 3 mois. Donc ça veut dire que ça marche 6 heures en réalité. C'est l'équivalent comme si ça marchait 6 heures dans l'année. Ok? C'est comme pour la bouilloire. La bouillarde, je vous l'ai dit, 0,25, un quart d'heure par jour, ouais, mais que en automne et en hiver. Je vais pas boire de boisson chaude dans l'été et au printemps. Autre chose à faire. Alors, 0,25, et puis je vais diviser par 12, il y a 12 mois dans l'année. Et comme j'utilise que 6 mois dans l'année, je vais multiplier par 6 mois. Donc ça me donne la consommation sur l'année en fait. Pour les autres, le PC, c'est 24 heures sur 24. Alors, comment je le sais? J'ai pris la prise connectée. Elle m'a dit combien je consomme par mois. 80 watts. Donc, j'ai 80 watts par mois. 80 kWh par mois. 80 kWh. 80 kWh par mois. Je vais prendre un mois de 30, 31 jours. Donc, je divise. Je vais multiplier par 1000 déjà. C'est les kWh. Donc, ça me donne le nombre de watts. C'est pour vous donner un exemple, donc j'ai 80 kWh au départ. Que la prise connectée me dit. Donc 80 000 watts. 80 000 watts par mois. C'est sur un mois.
par mois de mesure. Donc je vais diviser par 31 jours. Je prends ce chiffre-là et je le divise par 31 pour obtenir le nombre de watts par jour. C'est bon? J'ai le nombre de watts par jour. Avec le nombre de watts par jour, je veux le nombre de watts par heure. Donc le nombre de watts par heure s'appelle le nombre de watts-heure. Le nombre de watts par heure, c'est simplement le nombre de watts. Le nombre de watts par heure, ça me fait 2500, enfin, ce qu'il y a précédemment là, la cellule précédente divisée par 24. 107. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Alors, 107. 107, allez, 107. 1,5. Et là, j'ai la consommation qui va me dire, ben, regardez bien, en kilowattheure par mois, ça me fait bien 80 kWh par mois. 79,99, approximation. Ok? Donc ça change tout. Ça, c'est la méthode. J'ai mesuré avec la prise connectée et je vais avoir le nombre de watts équivalent 24 heures sur 24. Ah oui, c'est l'équivalent de je l'utilise 24 heures sur 24 avec cette consommation-là en moyenne. Pour ceux qui font de la data, c'est ce qu'on appelle le calcul de la veille. Et donc ça va me dire combien en même temps ça représente en pourcentage. Je vais avoir un prix. Ben, je vais avoir le prix par mois. Donc par mois, je vais prendre le nombre de kilowattheures par mois. Et je vais multiplier par le prix du kilowattheure en euros. Donc, prix par mois, voilà ce que ça coûte. Ça, c'est en moyenne sur l'année. Maintenant, je fais le total, c'est pareil, je prends multiplie par 365 kilowattheures sur l'année. Je prends ce prix-là en kilowattheure sur l'année et je multiplie par. Oui, alors peut-être celui-là pour 21. Et je vais multiplier par ce nombre de kilowattheures par année, je vais multiplier par le prix du kilowattheure. 0,2026. 62. Comment ça change? 20,62. C'est bon. Donc du coup, bah, j'ai le prix pour chaque appareil de sa consommation. C'est une approximation, c'est pas exact. Mais sur l'année, ça va faire ça pour chaque appareil. Et là, en total, j'ai le total des appareils. Ça, c'est que la consommation électrique. À quoi je rajoute 12 mois d'abonnement. 12 fois 11,93, par exemple ici, pour le prix qui a été fixé pour l'abonnement chez moi. 12 mois d'abonnement. J'ajoute donc le prix total au prix d'abonnement. J'obtiens cette somme-là. Ça, c'est ce que je vais payer à l'année pour de vrai. Pour pas être embêté et pas avoir de fluctuations quand je vais rentrer dans la comptabilité, mes calculs, je prends ce prix et je divise par 12. On me demande d'estimer mes mensualités. Moi, je divise par 12, j'obtiens 52,37. J'ai pas d'autres appareils, je les ai tous mesurés. 52,37, c'est donc le prix de ma mensualité. Quand je vais regarder la consommation, donc je regarde la consommation moi, je pourrais être aux alentours de 200 watts, 200 kWh en moyenne. Voilà ce que j'ai depuis que j'ai mon matériel. 212, 196, 198, 172, il y a des fois où je suis pas là, 200 kWh. 197. Donc moi je vise 200, c'est ce que je sais que je vais pouvoir consommer tous les mois. Il y a des mois où je suis pas là, il y a des mois où je suis parti, il y a des mois où je consomme moins, il y a des mois où je fais moins de travail, je fais moins de calcul. Ça c'est ma consommation mois par mois, réellement, enregistrée par
mon fournisseur d'énergie. 200, c'est le plafond qu'il y a là. Tous les mois. Et même si je ne me limite pas, ça va être ça. D'accord? Je ne me limite pas, au mieux je rattrape 212. Au mois de janvier, en plein hiver. Donc je vais avoir toujours la même consommation électrique. Elle est stable. À peu près. En mettant à 53 euros par mois ma mensualité, sur ma comptabilité, j'ai aucune surprise sur la facture. Je sais que tous les mois, c'est 53. Tous les mois, dans un livre comptable, quelque part, il y a 53 euros prévus pour l'électricité. C'est comme ça qu'on fait quand on est quelqu'un de sérieux et qu'on a compris à quoi servent les mathématiques pour ne pas avoir de surprise de budget. Et pour ne pas être quoi, ceux et celles qui aboient aux larmes en disant le prix a augmenté, on ne sait pas comment s'en sortir. Parce que c'est vrai que si vous avez des fluctuations de consommation, si vous avez des fluctuations hein, et que vous dites attention, j'avais prévu 100, alors que le plafond c'était 200, et que vous n'aviez en réalité aucune prévoyance, aucun calcul de prévoyance fait hein, pour votre propre consommation d'énergie, vous allez vous dire, attendez, tous les mois, j'avais l'habitude de payer 100 watts, 100 kWh. Quand est venu l'hiver, j'ai pas compris pourquoi j'ai payé plus cher. Vous utilisez le chauffage en hiver. Il y a ceux et celles qui vont encore être chez EDF et qui, EDF, paye ce qu'ils consomment ce mois-là. Vous payez ce que vous consommez ce mois-là. Alors, il y a des moments, si je consomme ce que je paye ce mois-là, j'ai 160 euros de facture ce mois-là. Et en été, hein, quand il fait frais, j'ai rien. En été, vous avez beaucoup d'argent, vous dites, j'ai tout dépensé. Mais c'est l'argent que vous auriez dû mettre de côté pour payer la facture d'électricité pour l'hiver. Donc quand on fait le calcul mathématique en soi de combien me coûtent mes appareils électriques, pareil si je rajoute mon solde de jeu, hein. Je vais rajouter une console de jeu, je vais y jouer, je vais dire, je mets une console de jeu, je mets une PlayStation 5, je peux. Hein. Elle va consommer 180 watts, et je vais la faire tourner 12 heures par jour parce que je suis un geek. Hein. Si j'aligne derrière, hein, l'intégralité des calculs, elle va consommer 697 kWh à l'année. Elle représente 13 euros par mois d'électricité, 162 euros à l'année. Hein, et du coup, bah, la facture elle est à 64. Et si vous prévoyez 64 tous les mois, vous n'avez pas de surprise. C'est comme ça qu'on fait des choix sur la consommation. C'est pareil quand on va faire la recherche d'un nouvel ordinateur ou la recherche d'un nouvel appareil électrique, c'est ce type de calcul. C'est comme ça qu'il faut compter, en réalité. Hein? Pour pouvoir se dire, ma mensualité, elle est calculée par avance. Et quelles que soient les fluctuations du prix, parce que là, c'est pareil, je dis, comment je vais m'en sortir demain, ils mettent à 22 euros, 0,22 centimes le kilowattheure. Hein? Ils montent les prix. Eh bien, je sais que l'impact, ce sera de 2 euros par mois chez moi. C'est pas ça qui va me tuer. Mais moi, j'ai calculé et je viens de vous expliquer comment on fait.